sont menées en concertation dans les conseils de quartier. Je peux vous assurer que quelque part, il n'en est rien, qu'on n'est vraiment pas à l'écoute de ce que sont nos appréciations et ce que nous devrions voir se prendre en considération. Moyennant quoi, eh bien, on est dans une forme de révolte et donc dans une appréciation négative du fonctionnement des conseils de quartier. Ceci parce que le bon endroit, malheureusement, où demain, à la limite, on est en situation de se faire entendre, et je vois certains visages dans la ville, c'est difficilement dans les conseils des quartiers, plus sûrement quand on a ici ou là 1000 signatures pour telle pétition ou en situation d'envahir la mairie, comme ça s'est fait le 5 juin 2010. Donc, voilà, on n'est pas dans le dialogue normal et dans le respect mutuel, on est dans une forme d'écoute qui ne devient réel ou supposé que dans la mesure où on est dans un rapport de force qui peut faire craindre à un maire qui tient sur sa réélection qu'avec voix, eh bien, de prendre le risque de se dire j'ai encore fait des mécontents. Et donc là, il entend un peu mieux, surtout quand la hauteur des pétitions est longue. Donc voilà, pour dire, le maire est venu, le maire a. De nous donner l'impression de nous avoir écoutés. Le maire a dit qu'il prendrait les idées, surtout si elles sont bonnes, qu'elles viennent de n'importe qui, c'est-à-dire même de nous. J'ai été reçu par son directeur de cabinet quelques jours plus tard. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est lettre morte. Le déroulé du fonctionnement des études dans les conseils de quartier a continué à se dérouler de la même façon, c'est-à-dire avec leurs a priori, sans tenir compte de nos remarques et sans tenir compte de nos propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plus que le stand-by. On en sera à se poser la question de savoir, avec d'autres amis, comment faire et quels moyens utiliser pour qu'enfin on soit écouté. Voilà. Donc là, on est preneur de tout ce qui peut être l'action à mener pour 2012. Mais là, on sort de ce que peut être le rapport moral de la qualité 2011. Il faut savoir, et dans l'invitation qu'on vous a envoyée, vous avez vu qu'au dos de l'invitation, on indiquait que nous avions fait un recours contre un permis de construire qui a été délivré le 21 décembre pour 51 logements route de Bourgogne. Nous avons fait ce recours, non pas pour être contre ce projet, mais pour dire qu'on est contre le fait, pour ce projet-là et pour d'autres, de ne pas connaître l'ensemble des projets de la municipalité sur la zone. On sait que les problèmes de densification posent problème, les problèmes du 7e collège posent des problèmes aux riverains. Il y a un ensemble de choses qui font, et qui sont d'ailleurs liées à l'urbanisation, à la démographie pour partie, à des constructions nouvelles éventuellement. Eh bien, on veut connaître qu'est-ce qui va se passer sur cette ville. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on défend les quartiers pavillonnaires, vous êtes propriétaire de pavillons, vous y avez passé une vie d'économie, et vous avez envie de rester certainement à Aulnay, et vous n'avez pas envie de voir une autoroute se matérialiser devant chez vous, pas avoir envie forcément d'un collège bruyant en face de chez vous, parce que jusque-là vous aviez en face de chez vous un pavillon. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui on est à tenter de mener un combat, je vous le redis, c'est la circulation, c'est le commerce, et on parlera un peu plus longuement de l'urbanisation, de ces projets connus ou inconnus. Alors, inconnus, j'ai interpellé le maire il y a 2 jours sur le projet du 8e collège. 8e collège, du 7e collège. Je pensais 28 mars, c'est 7e collège. Non, quelque part, non. Mon interrogation a été double. Mon interpellation. La première a été sur les conditions de l'avis d'enquête qui, de mon point de vue, n'ont pas été conformes à ce que sont les règles et même, à la limite, les habitudes de la mairie. La mairie, à la première modification du PLU sur cette ville il y a 2 ans, avait fait une réunion publique dans le sud d'Aulnay en montrant ce que seraient les modifications dans le nord d'Aulnay. On a tenté d'interrompre la présentation pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui reste au sud. On nous a dit non. Mais c'est normal qu'on fasse une présentation à l'ensemble de la ville. On a écouté, on a eu la modification du PLU après, pour dire, après, eh bien, on s'est trouvé, les gens qui ont été voir les commissaires enquêteurs ou enquêtrices, eh bien, ont pu le faire en toute connaissance de cause. Sur cette 4e modification,
le maire ne respectant pas son engagement électoral, qui avait dit « je ferai une révision du PLU ». Révision du PLU, ça veut bien dire quelque chose de bien différent qu'une modification. Dire c'est beaucoup plus lourd, ça demande beaucoup plus de rigueur et ça demande à écouter beaucoup plus la population. Eh bien, il s'est trouvé que sur cette quatrième modification, l'avis d'enquête A3 ne précisait absolument pas sur quoi ça portait, a été affiché sur 4 panneaux administratifs sur l'ensemble de la ville, et je peux dire que pendant un mois, l'ensemble des riverains directs du projet ne pouvaient pas savoir que cette modification de PLU portait à la mise en zone US des pavillons qui ont été préemptés par la ville pour faire ce 7e collège. Donc, aucune connaissance. Ça a duré un mois. Au bout d'un mois, dans Oxygène, il y a eu un article de ce genre, que vous avez certainement tous vu, qui a été le démarrage de la possibilité d'aller voir la commissaire enquêtrice, puisque là, il était enfin indiqué. Nous étions le 23 janvier et on disait que l'enquête se terminerait le 17 février. Voilà le délai réel de l'enquête. Tout ce qui a été avant le 23 janvier, je dirais, c'est pertes et profits. L'affichage, les avis dans les journaux, personne d'entre vous, pour les riverains les plus proches, n'avait pu savoir, avec l'avis d'enquête tel qu'il est imposé, savoir sur quoi ça portait. Bien sûr, je l'ai appris, je l'ai montré au maire pour lui rappeler que l'enquête, c'était ça. Si vous l'avez vu une fois, c'est ça que vous pouviez en lire. Et en lisant, vous ne pouviez pas savoir, pour ceux qui sont riverains du 7e collège, que ça vous intéresserait directement. Vous pouviez pas. Il y a quelques personnes dans la salle qui étaient très au courant de la situation et qui étaient un petit peu en avance, mais on était à un nombre extrêmement limité sur la ville à savoir ça. Moralité, j'ai demandé à la commissaire enquêtrice que le délai d'enquête soit prolongé du temps qui avait été écourté, et bien sûr, on m'a refusé cela. Deuxième chose qui a été... Parenthèse, Alain, sur ce sujet-là, le conseil de quartier de Nonneville, qui est le conseil concerné par le 7e collège, en fait, a appris que ce 7e collège allait être implanté, donc un endroit décidé, par les gens qui étaient expropriés quand ils ont commencé à recevoir les courriers. C'est-à-dire que le conseil de quartier n'était même pas informé. Une précision qui a son importance, absolument. Autre précision, ce que l'on veut d'ailleurs faire dire au président du conseil de quartier de Nonneville, mais a priori il est le président, il s'occupe de l'ensemble de la démocratie participative, c'est que la première fois où la présentation du 7e collège a été faite, elle a été faite pour un collège 400. Pour nous, 400 et 700, c'est pas pareil. Autant par l'édifice, par lui-même, que par le nombre d'enfants que ça suppose de prendre en considération, sachant que sur la zone, nous avons entre 10 et presque 1100 élèves au parc, et que si on éclate un peu le parc pour le réunir à 700, comme c'est prévu, eh bien le collège de Nonneville, eh bien, lui, c'était un collège 400. Et peut-être que Miguel Hernandez, quand il nous a fait cette annonce, il pouvait dire ça légitimement. La réalité, elle est peut-être tout autre, et je veux dire qu'elle continue à être cachée. Dans la mesure où le fait d'affirmer qu'il y a des problèmes de démographie, assurément, qu'il y a d'éventuels transferts d'élèves du nord d'Aulnay éventuellement dans le sud. Oui, mais pour combien? Et est-ce que c'est bien nécessaire? Parce que la hauteur des bâtiments, je peux vous assurer que c'est assurément pas les mêmes quand vous accueillez 400 élèves ou 700 élèves. Et ce qui nous apporte le plus pour la suite des événements, c'est le nombre d'Aulnaysiens que nous risquons d'avoir dans le sud de l'Aulnay, pour moi je ne vais parler que du sud, excusez-moi un peu, mais le nombre de programmes que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas continuent à nous inquiéter, et tout ce que l'on nous cache, plus que jamais, risque de faire chauffer un peu les esprits, bien naturellement, et ici ou là, quand on nous parle d'un nouveau projet, eh bien, l'excitation, bien sûr, est à son comble. D'où ce recours que nous avons fait le 21 février, c'est-à-dire deux mois pile poil après le dépôt du permis de construire de la rue de Boudy, sachant que, et pour certains d'entre vous, être très au courant de ce qui se dit aussi sur la ville, de ce projet Croix-Blanche, d'un autre projet qui sera rue Jean Jaurès, et de tout ce qui existe et que vous voyez fleurir, et là, sans que la ville y soit directement impliquée, mais pour lequel, eh bien, toute cette nouvelle construction auront forcément un impact sur la population de demain, sur le nombre d'élèves dans ce collège, et donc ça peut justifier totalement, pour les besoins de la démonstration, le fait qu'il faille effectivement
arriver à faire prendre en considération 1400 élèves sur la zone et donc 700 élèves au collège. Mais ces éléments-là, on ne les a pas.